Bonjour mes lucioles, bienvenue dans Au-delà de l'au-delà, votre consultation horoscope et voyance, exceptionnellement, aujourd'hui, via internet. Je suis Samuel Lumière, votre guide entre ce monde et tous les autres. Nous nous retrouvons donc pour une session horoscope et voyance. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas à mon cabinet, je n'ai pas tous mes accessoires, tous mes vaisseaux cosmiques, mais c'est le confinement. On est tous chez nous, hein, on ne pouvait pas le prévoir. Je le savais. Je savais que ça allait arriver. Évidemment. Évidemment. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que toutes mes prédictions que j'avais faites pour cette seconde moitié du mois de mars, dieu de la guerre, nous sommes en guerre, toutes ces prédictions sont encore tout à fait valables. Donc maintenant que vous avez tous et toutes réglé le montant de votre cotisation, c'est parti pour cet horoscope du 26 mars 2020. Bélier, un changement professionnel se dessine à l'horizon. Ne manquez pas le coche. Taureau, changez d'air. Métaphoriquement. Votre quotidien vous oppresse et vous ressentez un besoin de liberté. Sortez dans votre tête et allez courir dans les parcs. Ou mieux, marchez en forêt. Votre corps vous dira merci. Une forêt de livres, Gémeaux. Célibataire, c'est le moment de faire le premier pas. Invitez-le ou là au ciné, s'il n'était pas fermé. Faites-vous un Skype. En couple, c'est le beau fixe, vous passez plus de temps ensemble. Oui. Cancer. Quelle forme! Jupiter vous donne un tonus de folie. Ce sera le moment idéal pour de nouvelles passions. Vous aurez envie de vous consacrer à 100% à une activité inédite ou un style de vie différent. La télévision, par exemple. Le ménage. Lion. Vous avez besoin de votre famille en ce moment. Elle compte sur vous et vous comptez sur elle, rien n'est plus important. Mais oubliez ce froid téléphone et allez les voir si vous êtes voisins. Voisins de balcon, de en face même, idéalement. Et on applaudit le personnel soignant. Vierge, les beaux jours reviennent et vous donnent envie de voyage. Que pensez-vous du salon? Côté boulot, soyez patient. Faites-vous tortue, car tout vient à point à qui sait attendre. Eh, oui. Balance. Votre situation professionnelle se débloque enfin, et vous permet d'obtenir ce que vous espérez voir un peu plus. Le télétravail, sûrement. Scorpion. En couple, vos Saturnes entrent en conflit et vous empêchent de vous aligner. Laissez-lui de l'air, les choses se décontreront d'elles-mêmes avec de l'espace. Sagittaire. Vous voulez imposer vos décisions à tout le monde, mais personne n'est dupe. Votre manque de préparation commence à se voir, Sagittaire. Capricorne, Vénus traverse votre ciel, laissant dans son sillage un parfum de passion et de douce folie. Célibataire, profitez de cette période faste pour vous envoyer en l'air. Seul. C'est très bien. Seul. On peut faire des trucs super. Verseau. Fuyez. Vous aviez effacé son numéro, changé de planète, promis qu'on ne vous y reprendrait plus, mais il est de retour. L'amoureux malheureux, l'histoire impossible, l'infâme ex qui vient mettre son grain de sel dans l'engrenage bien huilé de votre quotidien tranquille. Oui. Un seul conseil, soyez très clair, fort et droit dans vos bottes. Ne vous laissez pas influencer par ses beaux yeux et écoutez le sage Jupiter qui vous invite à rester à la maison, à revenir à la raison. Et poisson, buvez plus d'eau. Et nous allons terminer sur le traditionnel tirage de cartes du tarot de Marseille. Une seule carte qui donnera le sens général, la ligne directrice de la semaine à venir. Je bats les cartes, je bats les lames. Et cette semaine sera sous le signe de la mort. Non, on va refaire le tirage. Alors, je mélange les cartes. Cette semaine sera sous le signe de la mort. Une semaine placée sous le signe de... Putain, non! Une semaine placée sous le signe de... Eh bien voilà mes lucioles, bonne fin de confinement à toutes et à tous. Courage, on est tous dans le même bateau, on sait pas trop pour combien de temps on en a de... 45 jours. Moi je le sais, on en a pour 45 jours.